Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto très simple qui va simplement se composer de cuts. Le but aujourd'hui, c'est que avec un plan comme ça, c'est-à-dire avec un plan on ne peut plus fluide sans coupure, de venir jouer avec la vidéo en déplaçant des moments, en les remettant à un autre endroit dans le temps sans pour autant allonger le rush plus que ça. Tout du moins pour le principe de base. Après, si ça modifie la longueur, c'est pas bien grave. Autrement dit, ce que vous allez faire, ce sont des sauts dans le temps, un genre d'effet de glitch. Et pour faire ça, la technique, elle est toute simple. Par exemple, vous allez pouvoir faire des coupes à peu près où vous voulez. Alors l'idée va être de faire des coupes relativement courtes, et une fois que vous avez ces coupes, vous allez pouvoir les sélectionner et les déplacer un petit peu dans le temps. Alors, une fois que vous les déplacez, avant de relâcher le clic, n'oubliez pas de maintenir la touche CTRL pour créer un espace et pour pas que le rush vienne simplement écraser le rush qu'il y a en dessous. Donc pour simplement le décaler et non pas le supprimer. Bref, vous faites des petites coupes par-ci par-là, vous pouvez même prendre des rushs et les inverser. Pour les inverser, c'est simple, vous faites un clic droit sur l'élément en question, vous allez dans vitesse durée et vous cochez la case inversée. Et vous noterez d'ailleurs que vous pouvez aussi ralentir la vitesse, pourquoi pas. Retenez globalement que l'idée derrière tout ça, c'est de découper votre vidéo, de prendre des petits bouts par-ci par-là, de les replacer pour créer justement ce décalage temporel qui va survenir de temps à autre. La technique n'est pas bien compliquée, mais ça peut vous donner quelque chose comme vous avez vu dans l'introduction, et on va se le revoir maintenant, c'est quand même plutôt sympa. Aujourd'hui, c'était une vidéo plus simple. Demain, on se retrouve pour un prochain tuto. Et d'ici là, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus.